Bonjour tout le monde, c'est Eve. Père Côte Matinée commence bien. Et puis j'espère qu'on va avoir un très beau message aujourd'hui. Et j'ai choisi d'utiliser Heal Yourself Reading Cards. Je l'utilise assez souvent, vous avez remarqué, pour les guidances, parce que je le trouve très très bien. Petite mise au point. Dina Segal. Je vais vous remontrer les cartes pour les personnes qui me suivent depuis un moment, pardon. C'est un oracle d'auto-guérison qui propose donc des petits exercices à chaque fois pour chacune des cartes. Et voilà, allons-y. Bien, ce sera celle-là. Laissez aller. Je vous la montre. Alors je voudrais cloisonner pour pas qu'il y ait de confusion le message de cette carte-là. Laissez aller, c'est nécessairement abandonner quelque chose et quelque part ça parle un petit peu d'une petite mort. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu sombre et mélancolique dans cette carte au niveau visuel. Mais c'est aussi une carte d'optimisme. Alors quand je disais que je voulais cloisonner, c'est que pour moi il y a plusieurs directions. C'est-à-dire qu'il y a le fait de laisser aller, d'abandonner finalement quelque chose dans un projet qui nous tient à cœur et auquel cas s'il nous tient à cœur et qu'on a l'impression qu'on doit abandonner. Ce n'est absolument pas dans le sens d'abandonner ce projet-là, mais peut-être de se laisser porter par les événements, par le rythme de ce projet-là, mais d'abandonner nos attentes, l'attente de réussite, l'attente d'un résultat en particulier, pour pouvoir laisser ce projet-là éclore à son rythme. Ça, c'est la première chose. Donc, il ne s'agit absolument pas d'abandonner le projet. Maintenant, si c'est un projet qui vous est pénible, ou vous avez l'impression qu'il n'y a plus de cœur, que vous n'y mettez absolument plus d'amour, c'est-à-dire qu'il ne vous passionne plus, peut-être vous posez la question de savoir pourquoi. Ce n'est peut-être pas un sentiment qui est extrêmement profond, c'est peut-être dû à de la fatigue, à un ras-le-bol, à un moment où vous avez besoin de déconnecter dans ce projet-là, mais pas nécessairement l'abandonner. Mais si c'est quelque chose d'un peu plus profond, peut-être se diriger vers autre chose. Alors ça, c'était la première direction qui se divise en deux. Et la deuxième chose, il s'agit de toutes ces petites choses du quotidien conséquentes ou pas, qu'on n'abandonne pas, sur lesquelles on s'accroche. Ça peut être une position, une émotion, une relation, une situation qui n'est ni épanouissant pour vous ni pour d'autres, où on s'accroche, on ne veut absolument pas abandonner l'état dans lequel cette situation est actuellement, sans nécessairement se poser la question de savoir si je lâche prise, qu'est-ce qui se passe? Ou alors en se posant la question, mais en étant effrayé parce que finalement on se lance dans l'inconnu. Alors c'est un peu comme si on s'enfermait dans un temple, dans un château fort, et on ne veut absolument pas voir ce qui se passe à l'extérieur, on n'ouvre pas les fenêtres, on n'ouvre pas la porte, on reste sur ses positions, on s'accroche absolument à quelque chose qui finalement n'est pas nécessairement positif pour soi. Par exemple, vous êtes un petit peu chamaillé avec quelqu'un, vous êtes en conflit, vous restez sur votre colère ou sur votre rancune, et les choses n'avancent absolument pas, on reste bloqué là-dessus, parce que pour vous, vous considérez avoir été blessé, et puis finalement vous restez sur vos positions, vous êtes dans votre vérité et donc vous ne faites absolument pas le premier pas vers la personne parce que vous voulez manifester votre mal-être, vous voulez manifester le fait que vous avez été blessé, vous voulez exprimer également votre colère, donc vous ne bougez pas. Alors que peut-être si vous abandonniez votre colère, votre rancœur, votre position et que vous faites un pas
vers l'autre, bah, cette énergie que vous allez dégager dans votre manière de communiquer avec cet autre va se ressentir et il y a donc des grandes chances que cette autre personne vous reçoive également avec des émotions qui sont tempérées, avec beaucoup plus de bienveillance et finalement la communication va pouvoir se refaire entre vous deux parce qu'il y a des choses bien plus importantes. Ça, c'est un exemple. Il peut également s'agir de points de vue, de choses que vous considérez être des réalités mais qui ne sont absolument pas en accord avec une autre personne et puis bah, vous êtes en conflit à cause de ça. Vous avez deux points de vue totalement différents. Et si chacun reste sur ses positions, sur ses constructions mentales et sur ses croyances, bah finalement, il y a un mur entre vous deux et la communication est impossible. Donc ça, c'est aussi ce genre de choses qu'on peut laisser aller, que l'on doit abandonner. Et après, il y a des situations, donc ça peut être de l'ordre du professionnel ou du sentimental, où les choses ne fonctionnent pas, mais malgré tout, on s'accroche, on ne va absolument pas accepter l'état d'être de l'expérience que l'on vit, parce qu'on a l'impression de subir la situation, subir la volonté d'une autre personne, et on le vit très très mal et on va absolument pas l'admettre. Là, c'est par exemple le cas quand on vit des choses difficiles comme une séparation, la perte d'un emploi, bon, des choses un peu plus conséquentes. Et la peur qui nous prend au ventre, elle est liée à notre peur de l'inconnu, parce que quelque part, on nous impose, la vie nous impose d'ouvrir ses portes et ses fenêtres de cette maison dans laquelle on était, où on avait nos habitudes, et puis de s'ouvrir au monde. Parce que si on regarde les choses avec un horizon beaucoup plus dégagé, cette nouvelle ouverture, ce nouveau paysage qui se présente à nous, il s'agit de l'opportunité d'une nouvelle vie. Parce que ce paysage qui s'ouvre finalement à nous dans ces moments-là, il porte en lui plein d'opportunités, plein de germes de renouveau, de nouvelles choses qui vont naître, mais on n'est absolument pas dans ces moments-là capable de les voir. Alors c'est une situation qui malgré tout est peut-être douloureuse, mais qui ouvre les portes vers des choses positives, vers un renouveau, vers une nouvelle vie, des nouvelles possibilités, vers des nouvelles opportunités qui, elles, seront susceptibles de nous épanouir. Parce qu'on ne peut pas forcer les choses. S'il y a une situation qui est lourde à porter, si les choses ne se passent pas bien, si on va contre la volonté de quelqu'un ou même de la vie, puisque quelque part les choses se passent d'une certaine manière, peut-être que ce n'est pas à hasard, ça ne sert à rien de forcer les choses. De toute manière, si on n'est pas heureux dans une situation, il est quand même toujours au final préférable d'aller s'épanouir ailleurs, dans un autre contexte, dans un autre environnement, avec de nouveaux projets, avec tout le potentiel de baume au cœur que porte tout cet inconnu. Et même si ce genre d'expérience nécessite une bonne dose de foi en la vie, ça en vaut vraiment la peine. Le après ce que vous vivez actuellement ne peut être que mieux, puisqu'il y a tout à construire. Donc ça sert à rien de rester dans des choses qui nous enferment, qui ne nous conviennent pas. Donc cette carte nous invite vraiment à regarder ce qui se passe avec des nouveaux yeux et à prendre conscience de toutes ces opportunités qui sont là, latentes, à l'extérieur de la maison dans laquelle on s'est enfermé et qui sont là à nous ouvrir les bras si on veut bien les regarder et les accepter. Alors si la transition elle est un petit peu difficile, le temps d'acceptation de ce qui se passe, peut-être que d'écrire ce qu'on a sur le cœur, de méditer sur ce qu'on a réellement envie de vivre, de savoir ce qu'on veut pour plus tard, de s'occuper un petit peu de soi, vont vous permettre de passer cette étape-là plus facilement. Bah écoutez, j'espère que ce message va vous aider aujourd'hui et puis bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.